Mesdames et messieurs, l'école de politique publique Johnson Shoyama et la cité universitaire francophone vous souhaitent la bienvenue ici à La Rocande pour cette conférence inaugurale du cycle hors champ, Off the Beaten Track. Il s'agit d'une table ronde portant sur les négociations de la prochaine conférence des parties, dite COP21, CMP11, sur les changements climatiques. La COP est l'autorité décisionnaire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée au sommet de la Terre à Rio en 1992. Cette 21e rencontre de la COP se tiendra à Paris, dans quelques jours, du 30 novembre au 11 décembre, pour répondre à un enjeu majeur, contenir le réchauffement du climat qui menace nos sociétés et nos économies. Alors pourquoi ce réchauffement? Comme vous le savez, depuis le début de la révolution industrielle, il y a environ 150 ans, l'usage du charbon puis du pétrole comme source d'énergie rejette du dioxyde de carbone, ce qui contribue à augmenter la température de la planète. D'autres gaz, comme le méthane, y contribuent également. Alors la COP21 a comme objectif de ne pas dépasser un réchauffement de 2 degrés Celsius. Au-delà de 2 degrés, on court le risque de perdre définitivement le contrôle des changements climatiques et de leurs effets. Alors cette COP21 doit mener à l'adoption d'un accord incluant 195 États ainsi que l'Union européenne afin de poser le cadre d'une transition vers des sociétés et des économies capables de faire face au changement climatique. La double responsabilité de la France, comme hôte, est d'accueillir les délégations et de faciliter les débats en vue de favoriser l'adoption d'un accord. En amont de la COP21, chaque État doit publier sa contribution nationale qui présente les efforts qu'il s'engage à réaliser. Et maintenant, en aval de la COP21, l'accord devra traiter de deux questions fondamentales, la question de l'atténuation et la question de l'adaptation. Premièrement, la question de l'atténuation, cela veut dire les efforts de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et deuxièmement, la question de l'adaptation, c'est la question de l'adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques déjà existants. Alors, un autre objectif de la COP est d'aider financièrement les pays en voie de développement avec les énergies renouvelables. L'objectif est de mobiliser 100 milliards de dollars par an, un montant total provenant des États, d'organismes internationaux et du secteur privé. Enfin, dans le cadre de la COP21, de nombreuses initiatives développées par des acteurs non gouvernementaux, tels que des villes, des régions, des entreprises, des associations, sont mises en avant. C'est ce que l'on appelle officiellement l'agenda des solutions. Alors voilà une brève description officielle du cadre de la COP21 qui montre l'étendue des enjeux et des problèmes à surmonter à Paris. Alors cette table ronde s'articulera autour de quatre questions et thématiques principales. Alors première thématique, comment passe-t-on de la science à la politique? Comment le champ scientifique informe-t-il les décideurs politiques, ainsi que la société sur les changements climatiques et leurs effets? Et inversement, comment le champ politique et les acteurs non gouvernementaux utilisent-ils ces recherches? Comment les interprètent-ils? Par ailleurs, dans cette relation entre science et politique, y a-t-il d'autres acteurs qui offrent des lectures différentes? Alors, deuxième thématique, celle des défis fondamentaux de cette conférence. Comment la diplomatie française, par exemple, tente-t-elle de mener les autres États à un accord? Quel est le rôle de la francophonie dans ces négociations? Quels sont les paradoxes et les contradictions liées à ces défis? Et y a-t-il des enjeux majeurs qui ne sont pas abordés à la COP21? Troisième thématique, celle des acteurs non gouvernementaux qui participent de près ou de loin à ces négociations. On peut penser aux ONG, aux villes, aux régions, aux entreprises multinationales. Alors, qui sont-elles? Qui se mobilisent au Canada? Et comment ces acteurs très différents influent-ils sur les négociations? Et finalement, la thématique des politiques publiques et des pratiques pour combattre les changements climatiques. Comment se positionne-t-on au Canada, sachant que notre économie est fondée en grande partie sur les ressources? Et à ce sujet, sommes-nous innovants?
Et d'ailleurs, nous avons l'exemple original de la Karcher Coop. Un grand merci à John Klein d'être venu pour nous présenter cette initiative ainsi que ses avantages. Y a-t-il des politiques et des pratiques à l'étranger dont le Canada pourrait s'inspirer, par exemple, au niveau fédéral, au niveau provincial et au niveau municipal? Et quelles sont par ailleurs les initiatives de la société civile? Alors, pour y répondre, nous avons le plaisir de recevoir quatre invités. À ma gauche, M. Stephen Guilbeault, qui est cofondateur et directeur principal de l'organisation gouvernementale québécoise Équiterre. Il est un environnementaliste qui s'intéresse au changement climatique depuis le début des années 1990. Il a travaillé 10 ans chez Greenpeace Canada et Greenpeace International, a déjà fait partie de la délégation canadienne à l'ONU et est chroniqueur auprès de nombreux médias. Guilbeault, bonjour et merci d'être présent. Monsieur David Sochin est professeur de géographie et chercheur au Prairie Adaptation Research Collaborative, PARC, à l'Université de Regina. Monsieur Sochin s'intéresse en particulier au climat de la région intérieure occidentale du Canada au cours du dernier millénaire et à ce que le climat de cette période peut nous apprendre sur les changements climatiques auxquels on peut s'attendre à courte échéance. Il est actif auprès de deux centres d'excellence du Canada, de l'aménagement forestier durable au Canada et du réseau canadien de l'eau. Monsieur Sochin, bonjour et merci d'être avec nous. À la gauche de Monsieur Sochin, Monsieur Jean-Christophe Fleury est consul général de France à Vancouver depuis 2013. Il est titulaire d'une maîtrise en commerce et gestion internationale de Paris-Dauphine et a occupé plusieurs postes à la direction générale de la mondialisation et à l'ambassade de France à Ottawa. Monsieur Fleury, merci d'avoir fait le voyage depuis Vancouver. Et enfin, Monsieur Lemire, Monsieur Jean Lemire est biologiste et cinéaste, biologiste de formation. Il a sillonné les océans au cours des dernières décennies, chercheur scientifique adjoint à l'Université de Hawaï et de la station de recherche des îles Magellan. Sa connaissance des baleines l'a amené à participer à de nombreux projets internationaux de recherche. Monsieur Lemire, merci également d'être avec nous. Alors, nous allons pouvoir considérer avec nos quatre panélistes des points de vue très différents, émanant de chercheurs et de praticiens, et parfois les deux en même temps. Et pour ce faire, les panélistes ont exprimé le souhait d'appeler les étudiants à être inclus autant que possible dans les débats. Alors, voyez donc que je tente de manière peu subliminale de favoriser une sorte de discrimination positive envers les étudiants, mais cela évidemment n'exclut personne. Ce que nous vous proposons donc, c'est d'avoir évidemment une séance de questions-réponses à la fin de ces échanges, une quinzaine de minutes. Et par ailleurs, si vous le souhaitez, nous vous proposons d'intervenir brièvement à la fin de chaque thématique, si vous avez une question spécifique sur la thématique qui vient d'être abordée, ou bien si vous souhaitez un éclaircissement sur cette thématique. Alors je ne prendrai, si vous me permettez, pas plus de deux questions pour que nous puissions tenir la montre. Et quand vous intervenez, merci de vous lever, de vous présenter et de poser votre question de manière aussi concise que possible. Et si vous souhaitez intervenir, merci de vous manifester de manière visible pour que nous puissions venir vers vous avec le micro. Et finalement, je me forcerai de donner un temps de parole équitable à tous les intervenants avec une nouvelle application que je n'ai jamais utilisée jusqu'à présent. Vous pouvez vous souhaiter bonne chance. Voilà. Donc, on va démarrer avec la première thématique qui est « Comment passe-t-on de la science à la politique ?» Alors, je vais démarrer avec M. Sochin. On se souvient que les recherches fondamentales sur la question des changements climatiques proviennent d'une équipe de scientifiques franco-russes qui travaillaient en Antarctique. Et nous avons également le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, prix Nobel de la paix avec Al Gore en 2007, qui est une démarche institutionnelle tout à fait unique et qui donne aux personnels politiques des informations fondamentales. Alors, première question, M. Sochin, quel est l'état du débat scientifique actuel sur les changements climatiques et qu'est-ce qui se dégage comme consensus politique? Well, concerning the debate on climate change, I can answer that question very quickly. There is no debate. Scientists do not debate climate change, whether it's occurring or whether we're causing it. We've known for a long, long time that the climate is warming. And in fact, in the 1820s, a French mathematician, Fourier, worked out the theoretical basis for global warming.
This is 1824. In 1896, a Swedish chemist, he concluded that because in Europe they were burning coal, that the earth was warming, and he considered that to be a good thing for humanity. And more recently, there was a study done a few years ago where a research project called the Consensus Project reviewed almost 14,000 articles on climate change. The number of articles that rejected the notion of global warming was 24 of those 14,000. Those articles were written by tens of thousands of scientists. Now I invite you to show me tens of thousands of people, and I will show you 24 people that reject everything. And out of tens of thousands of people, whether they're scientists or despite their occupation, at least 24 will just be contrarian. And so, I can go on. I could tell you about this conference that I attend almost every year in San Francisco, where there are 23,000 scientists, and most of the presentations are about climate change, and there's no discussion of whether the climate is changing. So when people ask that question, I'm not sure exactly what they're referring to, because I'm not aware of a debate on climate change. Okay, thank you. And what kind of consensus? Is there consensus about the different scenarios, for instance, 2 degrees, or? That's where the debate has existed. As I suggested, there is no debate about whether the climate is warming and the causes, but there is considerable debate about how much climate change we can expect in the future. There's considerable debate about how we model that, and there's a large range of future scenarios. One word that's not in the vocabulary of scientists is predict. We never use the word predict. Nobody can possibly know the future. And so we just develop these scenarios, and much of the research currently in climate change is how do we present the most plausible scenarios of future climate change? And then the other area of considerable research is what do we do about it? And so there's a large amount of activity in the area of we know the climate is changing, what are the consequences for people and ecosystems and water? And where do the risks and vulnerabilities lie? Thank you very much, Professor Chin. Maintenant, j'ai une question pour Monsieur Fleury. Inversement, comment le champ politique et les acteurs non gouvernementaux utilisent-ils ces recherches? Et donc, comment la France, par exemple, en tant que hôte de la COP21, à interpréter les recherches de telle manière pour orienter les débats, pour orienter les négociations dans un certain sens. Disons que les politiques prennent en compte ce qui est dit au niveau de la communauté scientifique, et effectivement il n'y a plus guère dans le monde politique aujourd'hui beaucoup de gouvernements qui ne croient pas à l'origine humaine des dérèglements climatiques. Le Canada est tout à fait heureux que maintenant vous ayez un gouvernement qui croit que le réchauffement climatique n'est pas une conspiration socialiste. Donc voilà, nous avons pris en compte ces rapports scientifiques et donc. Ce que le gouvernement français essaie de faire en tant que président, c'est ce que ferait n'importe quelle présidence, ce qu'a fait la présidence, les présidences, ce qu'ont fait les présidences précédentes et ce que font les suivantes, c'est d'essayer de convenir d'un accord, mais pas seulement ça, pour se situer dans la trajectoire des 2 degrés. Bon, pour le moment, qui est un objectif dont effectivement on estime plutôt pas très conservateur, d'autres parlent plutôt de 1,5 degré pour être plus sûr. Et la différence fondamentale qu'il y a entre cette COP21 et les COP précédentes, c'est qu'elle repose sur 4 piliers. Auparavant, nous avions les 2 premiers piliers que je vais décrire, et désormais, on en a rajouté 2 autres parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas.
Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle un accord juridiquement contraignant. Donc, les parties sont en train de négocier un accord qui devra être juridiquement contraignant, c'est-à-dire contraindre les parties à le respecter. Nous avons un texte qui fait une cinquantaine de pages, qui a été issu des dernières négociations à Bonn. Bon, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais on est quand même sur la bonne direction et on espère que la COP permettra d'aboutir à un résultat satisfaisant. La deuxième pilier, ce sont les contributions nationales, c'est-à-dire quels sont les efforts et les engagements que chacun des États souhaite faire, s'apprête à faire, pour rentrer dans l'épure des 2 degrés Celsius. Et là aussi, nous avons énormément progressé. Plus de 153 États sur les 195 plus une partie ont déjà soumis leur contribution. Ça représente 87% des émissions mondiales. Il manque encore quelques États, comme l'Iran, le Venezuela, pour des raisons politiques, que je pourrais expliquer plus tard. Et les contributions qui ont été soumises sont extrêmement positives. On a deux modèles pour mesurer le réchauffement climatique. On a le modèle qu'on appelle « business as usual », pas trop comment dire en français, j'espère que nos interprètes ne se craignent pas la tête. C'est-à-dire que c'est le modèle où si on ne faisait rien, et on aurait un réchauffement de l'ordre de 5 ou 6 degrés C. Il y a le modèle qu'on appelle « current policies », là on était plus sur une tendance de réchauffement de 3,6 degrés, 4 degrés. Et d'ores et déjà, avec les contributions qui ont été soumises, nous sommes sur une tendance d'un réchauffement de plus 2,7 degrés. C'est vous dire que lors de toute cette préparation cette année, qu'il y a une véritable prise de conscience qui a été prise par les États et qu'on s'approche de la limite des 2 degrés. Donc on peut être raisonnablement optimiste. Et alors les deux nouveaux piliers qui, de notre point de vue, peuvent fondamentalement changer et faire de cette COP un succès et non un échec, c'est ce qu'on appelle le volet financier. Le volet financier, pourquoi il est là? Tout simplement parce que on s'est rendu compte lors des COP précédentes qu'on avait besoin d'un accord entre vraiment tous les pays du monde. Et les pays en développement ont dit fort justement, oui mais nous on veut bien faire des efforts, encore que c'est quand même vous qui polluez la planète, hein. Mais il faut nous donner les moyens de le faire. Et donc, l'objectif de la présidence, c'est de pouvoir trouver 100 milliards de dollars à partir de 2020 pour financer la transition énergétique, surtout des pays en développement et des pays à revenus intermédiaires. Au jour où je vous parle, nous avons déjà identifié 62 milliards de dollars. Les banques multilatérales ont indiqué qu'elles mettraient 15 milliards de dollars de plus sur la table. Et certains pays, comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Commission européenne, ont annoncé qu'elles doubleraient leur contribution pour la transition climatique. Pour la France, ça va représenter 5 milliards d'euros par an. Donc là aussi, on approche de l'objectif. Et enfin, le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle, en anglais, le Lima Paris Action Agenda, c'est l'agenda des solutions. Parce que c'est bien d'avoir un accord juridiquement contraignant, c'est bien d'avoir des contributions, c'est bien d'avoir de l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et beaucoup de pays, et pas seulement des pays de développement, sont venus voir et nous disent, bah oui, mais comment on s'y prend? Quelles sont les solutions techniques pour aboutir à une économie peu énergétique, peu consommatrice de carbone? Et donc l'agenda des solutions, bah, c'est une sorte de grande foire, à la fois virtuelle et réelle, qui sera sur le site du Bourget, où on attend quand même plus de 40 000 délégués, où des sociétés, des ONG, des gouvernements, et la Saskatchewan, j'espère, a eu le temps de réserver un stand pour présenter son programme de capture de carbone, voilà, pour présenter des solutions, pour dire, voilà, vous avez les moyens, et maintenant, voici les solutions que vous pouvez adopter. Il y a un menu, il y a une boîte à outils, donc servez-vous à l'intérieur de votre boîte à outils, trouvez quelles sont les solutions les plus, les meilleures pour votre pays, et allez-y, et mettez-les en œuvre. Alors, au bout du compte, il est possible qu'on obtienne que la COP21 soit un échec, c'est-à-dire où l'accord soi-disant juridiquement contraignant soit un peu substantiel, qu'on n'obtienne pas tout à fait les moyens financiers qu'on aura, mais je crois que sur le temps, si les deux autres piliers fonctionnent bien, peut-être que cet échec pourra se transformer en succès. Mais je dis ça, c'est une pure hypothèse, car je pense que de toute façon, la COP21 sera un succès. En tout cas, on fait tout pour y parvenir. Merci beaucoup.
Et maintenant, dernière question qui s'adresse à M. Bibeau et à M. Lemire. Dans cette relation entre science et politique, ou peut-être en dehors de cette relation, je ne sais pas, il me semble qu'il y a d'autres acteurs qui offrent des lectures différentes que celles qui sont données par les États. Et j'aimerais savoir quel est votre point de vue. Par exemple, j'imagine que l'Équiterre offre un point de vue assez différent. Moi, c'est mon observation de la lecture de certains États. Et qu'en est-il également de votre perspective, M. Lemire? Bon, moi je suis une personne de terrain et j'ai peut-être, bon, je travaille aussi beaucoup avec les gouvernements, un peu dans l'ombre, et j'ai développé au cours des, j'étais une personne très très optimiste dans la vie et j'ai développé à mesure que j'ai fait du terrain un certain pessimisme. Je pense qu'on a travaillé beaucoup, beaucoup, par exemple, en Antarctique. On a passé 430 jours isolés là-bas à faire des expériences scientifiques. On travaillait avec la NASA, entre autres, avec les Américains qui avaient une station pas très loin, pour mesurer concrètement sur le terrain quels sont les changements. Parce qu'on peut lire beaucoup d'articles, mais il faut vraiment être sur le terrain pour voir l'ampleur de ce qui se passe. Et il y a deux secteurs sur la planète où ça va très, très mal, on peut se le dire, c'est l'Arctique et l'Antarctique. Évidemment, pas toute l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un continent qui est grand comme les États-Unis et le Mexique réunis. Si vous regardez en son centre à Vostok, quand il fait moins 69,4 degrés Celsius, même si ça se réchauffe de 3 ou 4 degrés, il n'y a pas grand monde qui va s'en plaindre. Et quand vous êtes tout dans le secteur de la péninsule Antarctique, qui est de plus en plus instable, c'est inquiétant. Nous, par exemple, on prenait des lectures très précises de température à chaque jour et on a comparé avec les Américains sur 50 ans, les 50 dernières années, et on a vu que les températures d'hiver ont augmenté de 6 degrés Celsius au cours des 50 dernières années. Et là, on peut se dire que c'est loin, l'Antarctique, c'est... Au niveau de la machine climatique mondiale, rappelez-vous toujours que les pôles ont une influence sur tous les climats de la planète, évidemment. Et que lorsqu'on parle de moyenne, lorsqu'on parle de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, on parle d'une moyenne. Je ne vous ferai pas un cours de... Mais en gros, tous les pays aux latitudes nordiques vont avoir une augmentation beaucoup plus importante que ce 2 degrés de moyenne, évidemment. Pour l'Arctique, par exemple, on parle de réchauffements qui peuvent atteindre 6-7 degrés facilement. Alors, il y a un certain optimisme qui règne au niveau de l'engagement des différents pays, malgré, je dirais, la difficulté politique dans l'arrivée avec un accord universel. Le jour où on a rajouté, une clause essentielle, qu'on donne les moyens aussi qui est une enveloppe qui vienne pour que les changements soient réels. On a rajouté, je dirais, une strate supplémentaire de problématiques au niveau des négociations, parce que là, maintenant, tu as des pays qui se disent « Wow, il y a de l'argent, on va pouvoir tirer sur la couverte », ce qui, en ce moment, ralentit un peu tout le processus de négociation. On est passé de 20 pages à 51 pages parce que tout le monde tire un peu sur la couverte aussi. Donc, selon moi, ça ne va pas super bien. Je pense qu'on aura un accord à Paris, mais qu'il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire et qu'il faudra de plus en plus donner la parole aux scientifiques pour qu'on ait la réalité du terrain et que les actes politiques suivent vraiment ces conseils, comme le disait David, qui sont là depuis très, très longtemps. On le sait depuis très longtemps. Mais là, il a fallu atteindre, je dirais, un niveau dramatique pour réussir à mobiliser les gens, mais il faut vraiment de plus en plus qu'on laisse place, je pense, aux scientifiques et qu'on pense de plus en plus que la politique devrait être le reflet du bien commun. En ce moment, dans les négociations, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Alors, évidemment, il reste beaucoup de temps, mais il ne faut pas penser non plus que ces accords sont négociés dans la dernière semaine et se concluent dans la dernière semaine. Ça fait une année que le comité de l'ADP travaille et négocie. Et donc, il y a un travail de fond ici en ce moment qui est très, très important. Merci beaucoup. Monsieur Bibeau? Merci. D'abord, je voudrais commencer par remercier les organisateurs et les organisatrices de m'avoir invité ici. C'est la première fois que je viens à Saskatchewan. Vous allez dire, ça a pris du temps, mais je suis ici. Merci, merci énormément pour cette opportunité. Merci pour le panel également. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce dossier-là
autour du sommet de Rio de 1992 et j'ai participé à ma première conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Berlin en 1995. C'était la première conférence des partis des Nations Unies sur les changements climatiques. Et malgré le fait, comme le dit M. Sochin, que les scientifiques s'entendent là-dessus depuis très longtemps, au niveau politique et au niveau public, c'est beaucoup plus récent qu'il y a une prise de conscience. Quand je faisais des entrevues, je participais à des lignes ouvertes autour des années 95, 93, 94, 95, et qu'on parlait de réchauffement climatique, les gens nous traitaient souvent, les animateurs de radio, même dans des radios, des médias très sérieux, nous traitaient de melons d'eau. On était vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Nous étions des communistes déguisés qui voulaient, comme le disait notre gouvernement précédent, s'attaquer à l'économie de marché. C'est un vaste complot socialiste contre l'économie de marché, notre affaire. Alors, je pense qu'on peut mesurer, on peut constater tout le progrès qui a été fait au-delà de la science, du point de vue de la perception publique et du point de vue politique également. Et la science joue un rôle tout à fait fondamental. Là où les négociations commencent à changer de ton vraiment, c'est en 1995, quand le fameux GIEC dont on parlait tout à l'heure publie son deuxième rapport, et où et il faut comprendre, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui de parler du processus du GIEC, mais c'est un processus assez unique au monde d'un point de vue scientifique. Mais où il conclut pour la première fois que l'ensemble des données pointent dans la direction d'un réchauffement climatique qui est dû à l'activité humaine. Et à partir de là, la communauté politique commence à prendre l'enjeu beaucoup plus sérieusement qu'elle ne le faisait. Les premiers plans d'action qu'on avait au Canada sur les changements climatiques au début, milieu des années 90, disaient « Bon, vous savez, le climat, ça va être mauvais pour le ski, mais ça va être bon pour le golf ». Sincèrement, là, ça se résumait à peu près à ça. Alors qu'on voit aujourd'hui que les États, les pays, les provinces, les États américains, les Landes en Allemagne prennent la question de façon beaucoup plus sérieuse. Et il y a énormément de choses qui se font maintenant. Je suis d'accord avec Jean, par contre, sur le fait que nous savons déjà que la conférence... Et je suis aussi d'accord avec M. Fleury. Alors, j'imagine que je me situe entre les deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir un accord, et cet accord-là va contenir beaucoup d'éléments très positifs. Mais nous savons déjà, et Mme Figueres, la directrice générale de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le dit depuis très longtemps, nous n'atteindrons pas les objectifs en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour prévenir que les augmentations de température ne restent sous la barre des 2 degrés. Nous savons déjà, on est à 2,7. Alors, ce qu'on doit prévoir dans l'accord de Paris, au-delà du fait que ça doit être un accord légalement contraignant, il faut prévoir des mécanismes de révision sur des bases régulières. On parle d'à peu près 5 ans. Non pas d'avoir un accord sur 10 ans, on s'entend sur quelque chose à Paris, on se revoit 10 ans plus tard, quelque part ailleurs sur la planète, c'est beaucoup trop long, 10 ans. 5 ans, ça nous donne le temps de voir quels ont été les progrès faits par l'ensemble des pays, des États sur la planète. Le secteur privé, ou si la contribution du secteur privé, elle est très, très, très importante. Et ce dont on parle très peu dans les négociations, mais c'est du rôle des lobbies. Pourquoi est-ce que les négociations avancent souvent à pas de tortue? Bien, parce qu'il y a des intérêts économiques énormes à ce qu'on ne fasse pas beaucoup de progrès dans le cadre de la lutte au changement climatique. On parlait du fait que le Canada est une économie encore beaucoup basée sur les ressources. Bien, pensez au pétrole, pensez au charbon. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai ailleurs dans le monde. Alors, ces intérêts économiques-là font pression sur la classe politique, sur les décideurs, et ça a beaucoup nuit aux négociations jusqu'à maintenant. Il y a eu récemment, il y a quelques semaines, une douzaine des plus grandes entreprises pétrolières au monde qui ont signé une lettre disant qu'elles voulaient faire partie de la solution, qu'elles ne voulaient plus faire partie du problème. Alors, si on les prend en mots, on imagine qu'elles vont mettre autant d'énergie à convaincre les gouvernements de s'engager à Paris dans un accord qui va aller plus loin que ce qu'on devait faire, qu'elles vont participer, elles aussi, parce qu'elles sont en partie responsables du problème, dans la même mesure où on a demandé à ces entreprises-là de fournir des compensations aux différents États et pays, dans le tabac, par exemple,
pour les coûts en santé liés au tabac, mais j'imagine que les compagnies pétrolières, les compagnies de charbon vont et devront contribuer, elles aussi, à l'aide aux pays en voie de développement, à l'adaptation au changement climatique. Alors, il y a énormément d'éléments, à notre avis, qui sont très positifs, mais les gens ont tout à fait raison. La réalité terrain fait en sorte qu'avant d'aller mieux, ça va aller encore plus mal pendant très longtemps. Et c'est là un peu le drame des changements climatiques, c'est que les gestes que l'on pose aujourd'hui auront des impacts d'un point de vue climatique dans quelques décennies. Alors, pour un politicien dont l'horizon dépasse à peine 4 ans, quelques décennies, c'est une éternité. Alors, il faut aider nos politiciens, nos politiciennes à voir que demain, c'est aussi aujourd'hui. Les décisions que nous ne prenons pas aujourd'hui, les problèmes que nous ne réglons pas aujourd'hui, ce sont des problèmes que nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, plus on agit rapidement, moins on va laisser une dette écologique, une dette économique et une dette sociale très importante à ceux et celles qui vont nous suivre. Merci beaucoup. Juste un petit point. Vous savez, quand le GIEC publie un rapport, il y a une première version avec un résumé des données scientifiques. Et parce qu'on veut un accord universel, la politique rentre dans le rapport et on part. Et là, on commence à diluer les conclusions des scientifiques. Et ça amène à un problème majeur. Ensuite, on se rend compte que les prévisions sont dépassés par la réalité. Si on avait juste suivi les rapports scientifiques en premier lieu, on serait beaucoup plus, je dirais, avancé dans nos actions de solutions. Et c'est là où le politique, parce qu'on veut des accords universels, vient souvent diluer la réalité scientifique. D'accord, merci. Monsieur Fleury? Juste une réaction. Effectivement, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. D'une part, sur la problématique de l'Arctique et de l'Antarctique, c'est tout à fait vrai. C'est une véritable bombe climatique. Pour une raison aussi, et je sais que pour être compétent aussi dans les territoires du Nord-Ouest et du Yukon, la fonte du permafrost également dégage des milliards de mètres cubes de méthane, qui est un gaz dont l'effet est nettement supérieur à celui du gaz carbonique, même si sa durée de vie est moins importante. Et donc là, on a un véritable problème. Il y a quelque chose aussi qui a changé, c'était pour réagir sur ce que disait M. Guimau, qui est important. Parce que dans cette affaire, on est typiquement dans un cadre de problème intergénérationnel où il va y avoir des gagnants et des perdants. Le problème, c'est que ceux qui perdent et qui gagnent ne perdent pas et ne gagnent pas en même temps. S'ils perdaient ou ils gagnaient en même temps, on pourrait prendre de l'argent aux uns pour le donner aux autres. Mais il y a également un décalage temporel entre ceux qui perdent et ceux qui gagnent. Il y a quand même quelque chose de très important qui est beaucoup plus récent, mais dont un nombre croissant de gouvernements et d'hommes d'affaires sont au courant, c'est que désormais, la transition vers une économie bas carbone n'est pas incompatible avec le développement économique. On le sait déjà depuis 2006, il y a eu un rapport très important qui s'appelle le rapport Stern, et qui a expliqué qu'effectivement, si on se dirigeait vers une économie bas carbone, ça allait coûter de l'argent. Ça allait coûter 1% de PNB. Mais si on ne fait rien, ça nous coûtera beaucoup plus cher. On disait à peu près 4 ou 5% de PNB. Et ça, on en a pris conscience. Et d'ailleurs, assez récemment, Marc Carney, qui était, je crois, le directeur de la Banque du Canada et maintenant de la Banque du Royaume-Uni, la Banque centrale du Royaume-Uni, a prononcé un discours, je pense, qui a été noté par la communauté mondiale, qu'il appelle la tragédie des horizons. Et c'est très important que des grands économistes, des hommes d'affaires, prennent parti sur cette question pour montrer au gouvernement c'est non seulement dans l'intérêt de l'humanité, pour des raisons sanitaires, sociales, démographiques, écologiques, d'accélérer la transition vers une économie bas carbone, mais c'est également dans l'intérêt de la communauté d'affaires. Et ça, je pense que cette prise de conscience, elle est très importante, car jusqu'à présent, la communauté d'affaires est évidemment celle qui s'opposait le plus à des politiques plus proactives, d'où effectivement le syndrome de la conspiration socialiste, et ce qui explique aussi qu'un certain nombre d'entreprises, y compris dans le domaine pétrolier, je prends l'exemple de Shell, je prends l'exemple de Total, je l'espère plus que moi, honnêtement,
aussi prennent partie, commencent à prendre partie, se rendent compte que finalement elles risquent de devoir subir les conséquences d'une politique non contrôlée et non contrôlable. Merci. Mr. Sachin, would you like to add a few words about what has been said? Certainly. I have to agree with the other panelists regarding the role of science. Its role is quite diminished, which isn't necessarily a bad thing because we know what to do. It's going to take a transformation of values to turn things around. It's going to take a transformation of values to prevent a catastrophe. And science never motivates people. I can give you the most recent report from the IPCC. It's 4,750 pages of dense information on climate change, and ask you to read it. And what would have far more impact, for example, is the image of the Syrian boy on the beach. So science and facts never motivate people to do anything, and also we know what to do. Although this entire process evolved from a scientific report, as Mr. Guibault mentioned, early in the COP process, there was a direct link between science and the policy making. The very first report of the IPCC was released in 1990, and then in 1992, the United Nations Framework Convention on Climate Change was established, and there was a direct link between the science and the policy. And then COP8 in Kyoto, the Kyoto Accord, you could draw a link between the COP8 and the second report? Yeah, AR2, the second report of the IPCC. But since then, really, the policymaking process has taken on a life of its own. And there is this disconnect between the science and the policy. In fact, there's a chronic gap between science and policy for lots of reasons that are beyond the scope of this panel discussion. But it's to the point now where I expect, and I've been to a few COP meetings, Montreal, Cancun, and so on, and didn't get close to the negotiating table. In fact, I didn't have much interest in listening to the negotiations. There was lots more going on at COP besides the lawyers and the politicians. But it's to the point now where the lawyers and politicians in Paris will be informed by a very much filtered understanding of climate change. They have access to the report that I just mentioned, almost 5,000 pages of science, but the information they will receive will just be a series of bullets, probably half a page or a page of bullets. So there's an entire process by which this large body of science is synthesized and converted from a scientific report to a technical report to a summary for policymakers, which is about 10 pages. And then the summary for policymakers is reduced to a few bullets for the sake of the politicians. And really, to my knowledge, and I've consulted my colleagues in Ottawa before I made these remarks, but I have some colleagues, scientific colleagues in Ottawa, who, because they work for the government, they have a responsibility of briefing their ministers. Although that hasn't happened for about the past 9 years. That's just a fact that we all are aware of, that the government has not consulted its scientists. And as a result, I've been told that typically the lawyers and politicians and policy analysts will consult with NGOs and with industry and with lobby groups who in themselves tend to have a vested interest in the science, and so they act as filters as well. They pass certain scientific information on to the policymakers and choose to filter out other information. So it's become quite a complex and convoluted process by which the science of climate change gets through to the people that do the negotiations, and we'll be sitting at the negotiating table in Paris in a few weeks. Thank you. Une minute. Okay. Rapidement, l'avant-dernier ministre de la science du gouvernement un peu était un créationniste.
Donc, quelqu'un qui croyait que... Il a refusé, vous pouvez faire une recherche, là, il a tout, systématiquement refusé de répondre à la question que les médias, les journalistes lui posaient sur la question « Êtes-vous un créationniste? Est-ce que vous croyez que Dieu a créé le monde en six jours et qu'il s'est reposé le septième jour? » Il disait que ce n'était pas pertinent pour lui de répondre à cette question-là, que ça n'avait rien à voir avec son ministère, le ministère de la science et du développement technologique. On a maintenant, autour de la table du cabinet à Ottawa, Stéphane Dion, qui a été ministre de l'Environnement, qui a présidé une conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et qui est resté, au cours des dernières années, très engagé dans ce dossier-là à l'échelle internationale. On a une ministre de la Science, Kirsty Duncan, qui est géographe médicale, qui a contribué au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le conjoint d'une des ministres, que je ne nommerai pas pour des raisons, pour garder son... ne pas toucher à sa vie privée, mais le conjoint de cette ministre-là travaille pour une entreprise qui est dans les nouvelles technologies et qui aide les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et son titre est vice-président au changement climatique. Alors, on a maintenant au sein, et je pourrais continuer comme ça, on a maintenant un conseil des ministres à Ottawa qui croit à la science, d'une part, ce que nous n'avons pas eu depuis 10 ans, et qui croit à l'importance de lutter contre les changements climatiques. Ce n'est pas pour dire que toutes les décisions que ce gouvernement-là vont prendre vont être en lien avec la science ou avec ce qu'on doit faire, mais il va y avoir, on va progresser beaucoup plus que nous l'avons fait au cours de la dernière décennie. Merci beaucoup pour ces précisions. Évidemment, comme on est déjà en retard, je vais limiter le nombre de questions liées à cette thématique. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, qu'elles soient brèves. Oui, il y a une question là-bas. Hi, my name is Stephen Hall. I'm a creative director in the communications industry. I'm interested in the connection of economics and climate change, and in particular the impact on global jurisdictions, and specifically the impact on Saskatchewan, on our economy. And I refer to, I think a point was made earlier about Mark Carney's recent presentation with the tragedy on the horizons, to two things in particular. One is the actual physical consequences of inaction on climate change, but also the impact of an agreement to 2 degrees on global resources, in particular carbon-based resources, and the so-called carbon bubble. So I'm specifically interested on the impact on Saskatchewan's economy. So what's your question? And for It's probably mostly for Mr. Sachin. I'm interested in the impact, the perceived potential impact of the economic realities associated with climate change. Okay. Mm. Well, I hate to pass the buck, but first of all, I'm not an economist, not even close. And also, it's a very complex question. I can see several parts of that question where you could approach it in terms of, if serious reductions in carbon emissions are imposed on Saskatchewan, what effect does that have on, say, the oil and gas industry? And then you could turn that around and say, well, if we don't impose serious restrictions on carbon emissions, what effect does climate change have on agriculture, for example, and the ecosystems that sustain our well-being? So it's extremely difficult, and I work with economists at the U of S and elsewhere, and you have to make so many assumptions before you assign dollars to the impacts of climate change on the economy, and especially the impact of climate change on human health and ecosystems. You just have to make so many assumptions before you can come up with those crude estimates of what those costs are. Je peux répondre en français? I could do English. Sure. I totally agree with what Mr. Sanchin just said. Beyond that, I mean, what you can see, certainly in North America, for example, is that you have a number of jurisdictions that are starting to put a price on carbon. So you have a regime in the northeast of the United States. You have Quebec, Ontario, California with the Western Climate Initiative and cap and trade. You have BC with its carbon tax. Oregon is jumping on board. New York is wanting to jump on board as well. So all of a sudden, you will have a critical mass of provinces and states in North America and Mexico putting a price on carbon emissions, which leaves the questions, well, what about those states that don't?
And I know, for example, in Ontario, they have a climate change group that is starting to look at border tax adjustment. So how do you deal with the fact that they are free riders in the system and not everybody's participating? And I don't think there are clear answers yet. And I think, I mean, if one thing is clear is that we have no clarity, but I think that the coming months and years will give us a bit more information about answering both your questions. When I talked about losers and winners, and I think clearly there are some jurisdictions in Canada that are more obviously losers than winners at the first stance. And Saskatchewan is one of them. But the situation is as follows. 9 submitted INDCs are judged by the Climate Action Tracker are as inadequate, completely inadequate. This includes Canada, Australia, Japan. So more efforts will have to be made by Canada as a whole. How it's made? Well, it's the business of Canada. It's not the business of Saskatchewan. In European Union, we have a common INDC target, and how we divide the effort between us is our business. That's why there need to be a very clear leadership of the federal government. There are basically two ways you can do it. Either you ask the other jurisdiction to make more effort, that includes Ontario, Quebec, British Columbia, to allow Alberta and Saskatchewan to continue with their oil sands and all those sort of things. Or you put a sort of cap, you know, on absolute cap on greenhouse gas emission, and there has to be some sort of financial compensation. That's what is called solidarity. But if Canada is not able to do that, how can you call it a country? One very simple answer, maybe. I'm not an economist, but Stephen, tell me if I'm right. I think 67% of Canadians have already put a price on carbon. Could be tax or given. Inside your own country, if one province decide to not play the game, of course the others, just for competition reason, won't accept that. So everybody will have to be part of that. Everybody. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc on va passer maintenant à la deuxième thématique, qui est celle des défis fondamentaux de cette conférence. On en a parlé déjà un petit peu. Et alors la première question que j'aurais voulu poser à ce sujet-là, c'est un peu la suite de ce que vous avez décrit, M. Fleury, la manière dont la diplomatie française tente de mener les autres États à un accord. Est-ce que la francophonie joue un rôle particulier dans la stratégie de la France, ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement... qui n'est pas considéré ou qui n'est pas pertinent? Je dirais que, oui, bien entendu, nous avons, de par notre participation au sein du monde francophone et de l'Organisation internationale de la francophonie, un certain nombre de leviers, des contacts que nous avons qui nous permettent effectivement, plus que tout autre État, de jouer ce rôle auprès des pays francophones. C'est le cas typiquement avec le Québec, où très tôt, le dialogue franco-québécois et avec Philippe Couillard et tous ceux qui l'ont précédé, Pauline Marois ou Jean Charest, quelle que soit la couleur politique, des divers gouvernements a été extrêmement intense. Et puis c'est évidemment le cas avec nos amis africains qui sont très à l'écoute de la présidence française. Ceci étant, il n'y a pas véritablement au sein de la dénégociation de la COP un groupe institutionnellement, je dirais, constitué de la francophonie. Il y a beaucoup d'autres groupes. Elles seront d'ailleurs dans une présentation, si je comprends bien, qui va être mise en ligne. Et vous pourrez voir l'ensemble des groupes de négociation, le groupe Ombrelle, le G77, etc., qui jouent chacun un rôle de lobbying. La francophonie n'est pas le groupe le plus actif en tant que tel, du moins très officiellement. Évidemment, dans les couloirs, il y a beaucoup d'États francophones qui jouent un rôle très important. Merci beaucoup. Maintenant, une question pour M. Sochi. Est-ce qu'un des défis de cette COP21, ce n'est pas tant arriver à un accord, mais c'est aussi la question de l'adaptation? Et j'aurais voulu avoir votre point de vue en tant que scientifique
concernant cette question de l'adaptation et donc de l'ajustement des sociétés à d'éventuels objectifs issus de l'accord. Well, I appreciate that you asked that question. Because our research center on campus here is the Prairie Adaptation Research Collaborative, and yet adaptation tends to get lost in the conversation. In fact, when you ask most people about action on climate change, they immediately respond. What comes to mind is reducing the emissions of greenhouse gases. But in the stated goal of COP21 is to reach an agreement that places equal emphasis on mitigation and adaptation. So adaptation definitely will be there in the agenda, it's just that it gets overlooked. And if you're not aware of the distinction, mitigation is the reduction of greenhouse gas emissions. Adaptation is any kind of change in policy, regulation, practices, technology to reduce our vulnerability to climate change, to prevent damage and death and destruction and the cost of climate change. And we've reached the point now where we recognize that the climate has already changed quite a bit. There's going to be much further climate change, and so to avoid considerable damage and cost, we have to implement adaptation plans. So the stated objectives of COP21 include developing an adaptation regime so that each country can develop and implement an adaptation plan. Thank you very much. Monsieur Lemire, la question que j'aurais pour vous est liée au paradoxe et aux contradictions liées aux défis de la conférence de la COP21. Par exemple, il me semble que le protocole de Kyoto qui, à travers le marché carbone, entérine d'une certaine manière les mécanismes de marché au niveau international comme moyen de protection de l'environnement. Et de ce fait, il y a une considération qui me semble un peu simpliste du climat comme un bien économique mesurable, comme un bien économique homogène. Est-ce que, c'est donc un des exemples, des paradoxes, des contradictions, est-ce que vous en voyez d'autres ? Absolument. Je pense qu'il y en a beaucoup, oui, des paradoxes. En même temps, c'est très drôle parce que ceux qui ont commencé à parler de changement climatique il y a très très longtemps se sont rendus compte qu'il fallait aller au-delà, je dirais, de la science et des rapports de 4-5 000 pages. Et c'est là où le grand défi est arrivé parce que, comme le disait David de façon très, très, très éloquente, les données sont là, elles ne sont souvent pas consultées, donc il fallait trouver des mécanismes pour rendre ça accessible et compréhensible et à tout le monde. Il y a eu toutes sortes de trucs qui sont arrivés, toutes sortes de mesures, mais je pense qu'un des plus grands pas qu'on a réussi à faire, c'est quand justement Stern s'est adressé comme économiste à d'autres économistes. Et là, tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui parlait le même langage, qui pouvait aller toucher vraiment des gens. Mais des paradoxes, il y en a eu. Tu sais, on s'est mis à faire toutes sortes de méthodes ou à chercher toutes sortes de solutions. Et on s'est dirigé. Moi, ça m'a fait peur à un moment donné parce que, bon, exemple, si vous prenez souvent l'avion, ben vous allez payer un petit peu plus pour avoir une compensation carbone. Et bon. Ce qui veut dire que finalement, on pouvait se diriger vers des mesures compensatoires où si tu as des sous, tu peux t'acheter une bonne conscience et continuer à polluer, par exemple. Toi. Alors ça, il faut faire attention parce que ça peut être des mesures temporaires pour donner des sous pour essayer de mettre au point des solutions. Mais le but de tout ça devrait toujours être, selon moi, le bien commun. Et c'est le grand, grand défi. Si on veut éviter les paradoxes, c'est toujours essayer de penser à ce bien commun. Nous, on arrive d'un tour du monde sur 3 ans envoyé, où on a été vraiment dans toutes sortes de pays, et on a vu même des mesures qui ont été prises par des gouvernements, ou dans une conférence, par exemple, c'est super d'annoncer qu'on va mettre, je ne sais pas combien de millions de kilomètres carrés d'air marine protégé, etc., sans avoir consulté les populations locales. Or, il y
Il y a un milliard de personnes sur la planète qui dépendent directement de la pêche pour survivre. Mais on ne les a pas inclus dans la décision. Et on se retrouve, nous, sur le terrain, encore une fois, parce que sur papier, c'est super beau, mais sur le terrain, on se retrouve avec, évidemment, des systèmes de braconnage qui sont formidables et qui mettent encore plus en péril cette ressource. Alors, dans la grande urgence, on va voir beaucoup d'exemples de solutions qui vont amener un paquet de paradoxes. Et c'est peut-être le grand défi des organisateurs de toutes les conférences d'essayer de trouver un chemin qui va créer, je dirais, une voie qui va nous mener vers le bien commun. Je reviens souvent là-dessus, mais je pense que c'est essentiel. Et c'est là où la science est l'outil fondamental de base et que les économistes, comme le rapport Stern et d'autres, vont permettre de prendre ces données scientifiques et de les adapter pour qu'on puisse parler à différentes strates de la population, pour que le message passe. Merci beaucoup, M. Lévy. Et enfin, une question pour M. Guilbeault. Est-ce qu'il y a des enjeux majeurs qui ne sont, par exemple, pas abordés à la COP21? Par exemple, on aborde la question de la combustion d'énergie, mais on ne s'attaque pas forcément à la question de l'extraction des énergies fossiles. Autre exemple, celui de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui n'a pas de prise sur le système de libre-échange mis en place par l'OMC, dont les règles l'emportent sur la protection du climat, de même que les règles, par exemple, qui restent à être connues, mais du partenariat transpacifique. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas abordés à la COP21 et qui, pourtant, sont fondamentaux? Oui. Avant de répondre à cette question-là, je vais prendre quelques secondes d'abord pour féliciter le travail que la France fait depuis déjà 2 ans à préparer la conférence de Paris avec des ambassadeurs qui se promènent partout sur la planète pour déjà... Ils ont commencé il y a très longtemps à travailler avec les pays, les différents acteurs pour préparer le terrain. Avant, généralement, les gens arrivaient aux conférences et c'est là que le travail se faisait. Or, la France a fait un travail vraiment phénoménal pour préparer le terrain et vraiment chapeau. En fait, j'aimerais, en termes de choses qui ne sont pas abordées ou pas suffisamment abordées, M. Sachin a tout à fait raison. Le parent pauvre ou l'un des parents pauvres de la négociation depuis le début, c'est la question de l'adaptation. Je pense qu'à la fois les négociateurs, même les ONG, on parle de responsabilité parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur toute la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on n'a pas pris conscience assez tôt de l'importance de l'adaptation. Ce qui fait que on est en mode rattrapage, oui, en termes de réduction d'émissions, mais on est encore plus en mode rattrapage sur la question d'adaptation. Et même dans des pays ou des États qui ont des plans de lutte au changement climatique comme importants et qui ont été salués, je pense au Québec, même au Québec, notre plan sur l'adaptation n'est que l'ombre de ce qu'il devrait être. Alors, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus et je pense qu'il faut... on ne peut plus perdre de vue cette question-là à partir de maintenant. L'enjeu entre le commerce et l'ensemble des accords mondiaux sur l'environnement, sur les questions environnementales, demeure un enjeu très, très, très important. Que ce soit l'OMC, le partenariat transpacifique, l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, c'est un problème. Et on a essayé, je pense qu'on continue d'essayer à travers les négociations sur le climat de trouver une façon de résoudre ce problème-là. Il y a eu et il continue d'y avoir des discussions, par exemple avec l'OMC, qui ferait en sorte que un pays, une entreprise ne pourrait contester devant l'OMC des politiques publiques, des règlements qui sont mis en place dans le cadre de la lutte au changement climatique. Donc de définir le climat comme un enjeu tellement important qu'on ne peut se servir des accords commerciaux pour contester la mise en œuvre. Parce que c'est effectivement un risque auquel s'exposent les pays ou les États qui veulent aller de l'avant. C'est-à-dire qu'une entreprise qui se sent lésée, une compagnie pétrolière, par exemple, pourrait contester devant l'OMC ou devant un tribunal du partenariat transpacifique le fait que le Québec ou le Canada a mis en place des mesures de lutte au changement climatique qui réduisent la consommation de pétrole. Alors, c'est très problématique. Je ne dirais pas que c'est un enjeu qui est oublié, mais c'est certainement un enjeu qui ne reçoit pas toute l'attention qu'il devrait recevoir, parce qu'ultimement, tous les efforts qu'on fait en matière de négociation sur le climat pourraient être contrecarrés par ce genre d'accord-là ou d'échappatoire-là au niveau du commerce international. Merci beaucoup, M. Guilbeault.
Étant donné qu'on est vraiment en retard, je vais prendre une question. Et si vous êtes un étudiant, vous aurez le droit de poser deux questions. Voilà. Bonjour, Daniel Fortier, étudiant à l'École des politiques publiques de Jean-Claude Ferrand. Ma question est par rapport justement aux gagnants et aux perdants. Il y a certains États dans le monde qui sont plus vulnérables au changement climatique. On peut penser par exemple aux pays qui vivent dans les deltas, le Bangladesh par exemple, ou aussi les Pays-Bas. Alors, quelle est la position de ces pays en arrivant dans les négociations? Par exemple, le Bangladesh qui pourrait avoir beaucoup de réfugiés politiques si. Réfugiés politiques, mais réfugiés du climat, si le niveau de la mer augmente de beaucoup, et on peut savoir qu'au Bangladesh, il y a environ 150 millions d'habitants. Alors, quelle est la position de ces pays? Merci beaucoup. Qui souhaite répondre? Oui, M. Guillaume. En fait, je pense que quand on parle des gagnants et des perdants, il y a les gagnants et perdants d'un point de vue économique, mais il y a aussi les gagnants et perdants d'un point de vue climatique. En fait, il n'y a pas beaucoup de gagnants du point de vue climatique, mais il y a des États qui vont perdre beaucoup. On a parlé d'adaptation tout à l'heure, mais maintenant, depuis quelques années, on a commencé à parler de, au-delà de l'adaptation pour certains pays, pour certains États. Si vous êtes un pays insulaire, dans bien des cas, il n'y aura pas d'adaptation. Votre pays va devenir invivable. Donc, on a déjà commencé à travailler sur la relocalisation d'habitants de certains pays où il ne sera plus possible de vivre. Alors, on parle maintenant dans les négociations, en anglais, ça s'appelle « loss and damages », donc perte et dommages. Comment on va faire pour déménager des centaines de milliers, voire des millions de personnes? Qui va payer pour ça? On les déménage où? Comment on fait pour reconstruire des infrastructures, électricité, eau, aquaduc, système de santé, système scolaire? Et la communauté internationale commence à peine à prendre acte de ça. Et si je peux, je terminerai en parlant de la crise migratoire en Europe présentement. Cette crise-là a plusieurs éléments à sa source, mais ce dont on se rend compte, c'est que dans plusieurs pays du monde où il y a des conflits, les changements climatiques deviennent un facteur. Le Sud-Soudan, le Nigeria, le Kenya, la Syrie. La révolte populaire en Syrie a commencé après l'une des pires sécheresses de l'histoire du pays en 2011. Et là, on se ramasse avec 1 million de personnes déplacées, le quart de la population, des centaines de milliers de personnes qui essaient d'entrer en Europe et qui est en train de déstabiliser en partie le continent européen. Bien, c'est pas juste les changements climatiques, mais c'est en partie les changements climatiques. Alors, comment, d'un point de vue des négociations, on tient compte de ça? Comment on met en place des mécanismes internationaux pour tenter de remédier à ça? On commence à s'y intéresser, mais on n'a pas vraiment encore de réponse. Monsieur Lemire, vous avez entendu parler de comment ça va prendre les autres, alors vous pouvez prendre 2 minutes. Oui, alors, nous, on s'est promené beaucoup. On a été à Chichmaref, par exemple, en Alaska. On parle même des États-Unis, on ne parle pas d'un petit pays pauvre avec des déménagements de villages qui ont coûté des fortunes. On était à Tuvalu, par exemple, qui c'est vraiment des gens qui sont condamnés. Et je pense que inévitablement, il va falloir développer une notion de citoyen du monde. On ne s'en sortira pas. On ne peut pas simplement penser qu'il y a des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qui vont être obligées de déménager et que ça n'aura pas un coût. Ça aura un coût, évidemment. Il va falloir commencer à le prévoir. Cette notion de citoyen du monde, elle est essentielle et elle devra faire partie des solutions parce que, évidemment, l'adaptation coûtera cher aussi. Et encore une fois, il y a certains pays qui ne pourront pas se permettre d'avoir des mesures d'adaptation. D'où l'importance d'avoir des mécanismes financiers qui accompagnent également des accords comme celui de Paris. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va passer directement à la quatrième thématique. Vous me pardonnerez pour la troisième thématique sur les acteurs non gouvernementaux, mais ce sera peut-être l'occasion d'un autre panel. Donc, la quatrième thématique est celle des politiques publiques et des pratiques pour combattre les changements climatiques. Alors, première question que j'aurais pour vous, peut-être, M. Lemire, c'est comment se positionne le Canada, sachant que notre économie est fondée en grande partie sur les ressources. Alors, M. Guilbault en a
parlé auparavant. Alors, est-ce que nous sommes innovants au Canada à ce sujet-là, ou bien est-ce que nous sommes en retard? Je vous parlerai peut-être d'abord strictement dans les conférences sur l'international. Il y aura un changement avec le nouveau changement de gouvernement, c'est certain, mais on avait une réputation vraiment, vraiment peu enviable, alors que le Canada était un leader avant. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, je dirais. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Ça ne peut pas être pire de toute façon. Au niveau de nos pratiques, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire, c'est certain. La collaboration, et ça, Steven est peut-être mieux placé que moi pour en parler, mais la collaboration entre les provinces va devenir quelque chose de très, très important. On le voit, nous, entre autres, entre le Québec et l'Ontario, ce qui est en train de se développer. Le cap and trade qui va vraiment, vraiment prendre une certaine ampleur. Et donc, comme j'expliquais suite à la question de monsieur tantôt, plus on aura des engagements au niveau des provinces dans des systèmes qui mettent un prix sur le carbone, eh bien plus les autres n'auront pas le choix d'embarquer, parce que c'est simplement une question de libre compétition. Beaucoup de travail à faire. Je dirais trois grands axes à considérer au pays. Le transport. Ce sont selon moi les trois axes sur lesquels on devrait vraiment se concentrer beaucoup. D'accord, merci, c'est assez clair. Alors maintenant, une question pour M. Guilbeault. Est-ce qu'il y a des initiatives au niveau international ou transnational? Et par exemple, on peut penser au mouvement End Ecocide on Earth, qui a émergé à Rio en 2012 et qui travaille afin de modifier la base juridique de la Cour pénale internationale. Et le but est de permettre, par exemple, à la CPI de pouvoir statuer sur le crime d'écocide, qui serait, à ce moment-là, s'il était inséré dans les statuts de la Cour pénale, aussi grave que celui de crime contre l'humanité. Et un autre but, évidemment, est de renforcer et d'harmoniser à l'échelle mondiale la prévention et la répression des crimes environnementaux. Alors ça, c'est un exemple d'initiative internationale ou transnationale. Est-ce que vous pourriez nous en donner d'autres, peut-être? Certainement. Monsieur Fleury parlait, lors de sa première intervention, de l'agenda des solutions, donc qui est ressorti de la conférence de Lima. Alors, si vous allez voir cet agenda-là, c'est un foisonnement de solutions à l'échelle locale, des communautés, de provinces, des entreprises, des organisations de toutes sortes qui mettent de l'avant des solutions pour lutter contre les changements climatiques. Je pense qu'on approche du jour où il sera immoral qu'un État, une province, un pays n'ait pas de plan d'action de lutte au changement climatique en lien avec la science. Et que si, par exemple, comme le disait M. Fleury, si une province ou un pays veut dire « ben nous, on ne va pas réduire », ben qu'ils nous expliquent à ce moment-là qui va réduire à leur place, ou est-ce qu'ils sont prêts à payer pour que d'autres le fassent. Mais on ne peut plus faire comme si certains acteurs actent et que d'autres ne le font pas. Donc, que des provinces comme la Saskatchewan et l'Alberta, qui sont responsables de la majorité de la très, très, très grande majorité de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre au Canada, fassent comme s'il n'y avait pas de problème, ça va devenir immoral et ça pourrait même devenir illégal. Et ce genre de recours juridique-là auquel vous faites référence a déjà commencé. En 2006, si je me souviens bien, la conférence circumpolaire des Inuits, donc c'est l'association des Inuits qui vivent autour du cercle polaire, ont déposé devant la Cour interaméricaine un recours juridique essentiellement pour génocide culturel. C'est pas dit comme ça, mais c'est à ça que ça revient, contre l'administration Bush-fils, qui avait refusé de ratifier le protocole de Kyoto, en disant le refus des États-Unis de ratifier le protocole de Kyoto, les émissions de gaz à effet de serre qui vont en suivre, représente une menace à notre mode de vie traditionnel. Il va y avoir trop de réchauffement climatique à cause de ça, et nous, notre mode de vie traditionnel va disparaître. Alors, évidemment, jusqu'à maintenant, ces recours-là ont eu peu de portée juridique ou même concrète, mais je pense qu'on n'est pas très loin du jour où on va voir ça. Et la dernière chose que je dirais, c'est tout le mouvement de désinvestissement des combustibles fossiles qui a commencé depuis à peu près 2 ans. Alors, vous avez des universités, des municipalités, des communautés religieuses, des grands fonds d'investissement. On pense à
Rockefeller, qui est l'une des plus riches familles américaines, qui a fait sa fortune sur le pétrole, qui a annoncé en septembre 2014, nous allons retirer avec d'autres fonds d'investissement 100 milliards de dollars des combustibles fossiles au cours des prochaines années. C'est pas de l'argent, c'est pas du change, c'est pas de l'argent de poche, c'est des sommes colossales. Et là, on voit ce mouvement-là se multiplier partout sur la planète. Ce mouvement-là commence à avoir des impacts concrets. Bloomberg a publié une étude au printemps dernier, la firme d'analyse financière Bloomberg, qui disait « Depuis 2013, nous investissons plus pour produire de l'énergie à partir des renouvelables que nous faisons à partir des combustibles fossiles. » C'est la première fois dans l'histoire. Et les projections de Bloomberg d'ici 2030 sont que les investissements dans les combustibles fossiles vont diminuer moitié, alors que ceux dans les renouvelables vont doubler. Alors, les pays, les États qui pensent que le pétrole, ça va toujours être là, que the sky is the limit, se trompent sincèrement. Alors, non seulement il faut que les pays aient des plans de lutte au changement climatique, mais aussi des plans de transition énergétique. Sinon, d'un point de vue économique, d'un point de vue emploi, ces pays, ces États-là vont être frappés de plein fouet par ces transformations profondes auxquelles on assiste à l'échelle internationale. Merci beaucoup. Et maintenant, une question pour M. Soshin et M. Fleury. Est-ce qu'il y a des politiques ou des pratiques à l'étranger dont le Canada pourrait s'inspirer? Alors, j'aimerais d'abord demander à M. Fleury, est-ce que vous pouvez donner un exemple d'une pratique ou d'une politique qui serait exemplaire en France ou dans l'Union européenne? Et également, M. Soshin, est-ce que dans le cadre de vos recherches, vous avez pu observer effectivement quelque chose qui serait souhaitable d'importer au Canada? Oui, c'est vrai que c'est l'Europe, la France et le Canada ont quand même des situations extrêmement différentes. Il n'y a pas de ressources, beaucoup de ressources naturelles en Europe. Les distances ne sont pas du tout les mêmes. Si vous voulez, en France, j'ai envie de dire, mettez une taxe sur la combustion d'essence quand vous faites votre plein, mais c'est un peu difficile au Canada parce que vous n'avez pas de TGV, de train rapide. Donc si on vous demande d'arrêter de prendre la voiture, comment vous faites? Donc c'est quand même un problème. Chaque pays doit avoir des solutions. Donc je ne veux pas être un donneur de leçons, surtout que la présidence doit être neutre. Donc on a un peu de casquette, je suis à la fois la France et la présidence. Donc là, je m'exprime au nom de la présidence. Mais bon, il y a des choses qu'on peut faire. En France, on vient de voter la loi sur la transition énergétique parce qu'on devait se préparer nous-mêmes pour la COP. Nous avons intégré dans cette loi la cible de réduction de l'Union européenne, donc elle va être juridiquement contraignante pour nous. Donc ça veut dire qu'on a accepté nous-mêmes de nous lier les mains sur cette, à titre, je dirais, domestique sur la cible de l'Union européenne. Mais il y a un certain nombre de dispositions qu'on a prises. Par exemple, à partir du 1er janvier, il sera interdit de distribuer des sacs plastiques dans tous les supermarchés en France. Le gouvernement, d'ici 10 ans, devra avoir 50% de véhicules électriques. D'ailleurs, nous-mêmes, au consulat, nous allons acheter un véhicule électrique, 100% électrique. On espère être le premier consulat en Amérique du Nord à pouvoir le faire, un consulat français, peut-être que d'autres consulats l'ont fait, je ne suis pas sûr. Et on s'est aperçu, d'ailleurs j'ai une question à poser, qui a deux voitures ici dans la salle? Ou trois? C'est pas beaucoup, je vous félicite d'abord. Et ceux qui en ont, je vous incite à faire comme nous. Demandez-vous s'il n'y a pas un de vos deux véhicules que vous pourriez remplacer par un véhicule électrique. En général, nous on s'est aperçu que sur un des deux véhicules, on ne s'en servait que dans Vancouver. Avec une autonomie de 180 km, vous savez, vous le rechargez une fois par semaine. Et pourtant, ça ne coûte pas plus cher. Aujourd'hui, avoir un véhicule 100% électrique ne coûte pas plus cher qu'avoir une voiture à essence. Enfin, nous, on a fait le calcul, on est tombé là-dessus. Donc, voilà des mesures concrètes qui peuvent être prises et qui sont relativement faciles à prendre. Merci beaucoup. Monsieur Soutine. Well, I want to concur with Monsieur Fleury in particular about there are some relatively simple solutions. And one that is so simple it's almost bizarre is walking. When you travel and visit other parts of the world and come back to Regina, what's most stark here is people don't walk. They just don't walk. And our international students always comment on that. I was asked to appear before the House of Commons Committee on Environment and Sustainable Development.
And I prefaced my remarks to the MPs by saying, I have a simple solution to most of your problems, healthcare, environment, and so on. Encourage people to walk. They thought it was a joke. All the MPs spontaneously burst out laughing, and I was so disappointed because I was trying to be serious. But sometimes these simple solutions aren't even taken seriously. And I mean, try walking to the Regina Airport, which I do quite often because our airport is so close to the city. There's a large proportion of our population in West Regina that live within a couple thousand meters of the airport. And yet it's difficult. There's no crosswalk across the Louvain Expressway and there's no sidewalks. And there's just so much we could do just to encourage people to get out of their vehicles and to walk. Thank you very much. Alors j'aurais une dernière petite question avant d'ouvrir les questions au public. Alors, et c'est une question qui s'adresse à tous et qu'on m'a soufflé pour pouvoir le confesser juste avant la préparation de ce panel. Imaginez que vous soyez ce soir dans l'ascenseur avec Justin Trudeau et vous pouvez lui adresser la parole pendant 30 secondes. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Ben moi, comme ça a été mon voisin pendant 3 ans, une conversation on a déjà beaucoup discuté. Mais non, je pense que vraiment mon souhait le plus grand, ce serait, et je pense que ça c'est déjà entendu, c'est le retour de la science pour moi. C'est vraiment, vraiment ça qui, selon moi, peut faire un changement majeur dans les politiques gouvernementales du Canada. Le retour et la reconnaissance de la science. Merci. Premièrement, mettre un prix sur le carbone sur l'ensemble du Canada, a nationwide carbon tax. Élever et ne pas la changer. Deuxièmement, se débarrasser totalement des usines à charbon. Il y en a beaucoup encore en Alberta. Troisièmement, c'est un peu difficile de le faire pour la présidence française, et ça le serait même pour la France, mais c'est un peu iconoclaste. Essayez de parler au président chinois pour lui demander peut-être de mettre un petit peu le frein sur l'assouplissement de la politique du premier enfant. C'est bête à dire, mais 300 ou 400 millions d'êtres humains en plus sur la planète, ça va faire une sacrée différence. Mais c'est très iconoclaste et sans doute totalement irréaliste. I would say show some national leadership, and he's already committed to meeting with the provinces, which is a tremendous improvement. And Mr. Wall won't want to hear this. In fact, our premier has already said, it's on record, as saying that he or his delegate will go to Paris to make sure that Mr. Trudeau doesn't kneecap the economy of Saskatchewan. So very quickly, Saskatchewan is becoming an anomaly. It already is. The highest per capita emissions of greenhouse gases in the world are here in Wyoming, just across the border. And Monsieur Guilbeault said that the Quebec adaptation plan could use some work. At least you've got one. Saskatchewan introduced a new environmental code last year, and there was no reference to climate change or greenhouse gases in our new environmental code. Thank you. Ben, je vous dirais bonjour parce qu'on se connaît depuis longtemps d'abord. Je lui demanderais d'abolir les subventions aux combustibles fossiles au Canada. Pourquoi est-ce qu'on continuerait de donner quelque part autour de 2,3 milliards de dollars par année aux pauvres petites compagnies pétrolières? Elles n'en ont certainement pas besoin. On pourrait recycler ces argents-là dans des bâtiments plus propres, un meilleur système de transport au Canada. À la fois des transports collectifs pour les centres urbains, mais moi je viens d'une petite ville au Québec qui s'appelle Latuc. Il n'y a pas de transport en commun, mais ce n'est pas parce qu'on est en région, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une grande ville qu'on ne peut pas faire plus de choses au niveau du transport actif, la marche à pied. Il n'y a pas de trottoir dans le quartier où j'ai grandi. Alors comment on peut demander aux gens de marcher si on n'a pas de trottoir? Donc une politique nationale du transport collectif et actif. Nous sommes l'un des seuls pays industrialisés de l'OCDE qui n'avons pas de politique nationale sur le transport. Alors, il faut encourager les gens à marcher, et ça, on peut le faire partout, à faire du vélo, du covoiturage, avec les applications aujourd'hui, l'autopartage,
Moi, je n'ai pas de voiture, j'habite Montréal, vous allez dire c'est facile, mais j'ai besoin d'une voiture régulièrement, mais je n'ai pas besoin de posséder une voiture. Alors, il y a l'autopartage, il y a toutes sortes de possibilités maintenant qui sont possibles grâce à la technologie. Donc, éliminer les subventions combustibles. Bonjour, M. Trudeau. Éliminer les combustions ou les subventions combustibles fossiles, plan national sur le transport, au niveau du transport collectif, et un code national du bâtiment digne de ce nom. On a un code national du bâtiment qui date presque de l'âge de pierre au Canada. Alors que d'un point de vue de la construction, on peut faire des choses, on peut construire au Canada des maisons, des édifices qui, sur une base annuelle, ont une consommation d'énergie nette zéro. Donc, à certains moments, ils vont consommer, à d'autres moments, ils vont produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment et renvoyer cette énergie-là sur un réseau électrique ou dans un réseau de chaleur, par exemple. Alors, toutes ces choses-là sont techniquement faisables, économiquement viables également. Alors, il a un rôle à jouer, même avant de confronter des provinces comme la Saskatchewan, mais au niveau, dans les champs de compétences fédéraux, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites très rapidement. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, il nous reste seulement 5 minutes pour des questions. Une question ici, là-bas. It's going to be in English. I'm Ryan Clark. I'm a Masters of Applied Science student here. And this was somewhat answered by David, but I'd like the rest of the panel to kind of comment on it. What are the challenges of localizing the cumulative effects of climate change for implementation, environmental assessment, and regulation within this province? Who wants to answer? What are the consequences, or what can you... Just the challenges of localizing. Like, it's more of a regulation aspect. How do we regulate the cumulative effects of climate change itself within this province? Well, if I can use an image, I mean, the fact that we had a federal government for almost a decade who didn't care about climate change, who didn't believe in climate change, didn't stop provinces and municipalities to act on it. And I think the same should be true of your province. The fact that you have a premier and a government that doesn't pay a lot of attention to climate change shouldn't stop municipalities and communities of getting organized, of putting things forward. There's so much resources out there to start looking at what are the localized impact, to try and get a sense of what adaptation will mean, what are the changes that could be made at the local level to start changing the direction of this big boat that you're on. We were referring earlier to the agenda of solutions from last year's Lima conference. I think that there's a lot of information there and a lot of inspiration that can be used, that can be brought back and adapted for your local needs. I mean, obviously you can't always simply import an idea from, you know, somewhere around the world. It needs to be adapted to local realities, but there's a lot of possibilities now to do that. And frankly, with the new federal government, there'll probably be money and resources for people who want to get involved on that front. Thank you. Next question. Yeah. So I think I'm the last question probably, and thank you for fitting me in. But I'm a bit surprised. It wasn't supposed to be me? Oh, okay. I'm a bit surprised that no one's mentioned agriculture. And of course, it's one of the leading contributors to greenhouse gases. And our agriculture has mostly been captured by agribusiness. And the way that we do our food provisioning is so highly greenhouse gas intensive. And to push back from that is actually going to take a big political challenge. So I would like you to say something about that. Of course, it's part of the answer to why we have such problems here in Saskatchewan. It's not just our gas and oil production. Thank you. Mr. Fleury? We were talking about concrete solutions. Since I've been made aware that beef produce 9 times more greenhouse gas, I don't eat beef anymore at all. Full stop. It's a very valid question. I mean, one of the work we do at Équiterre is to work a lot with farmers. We created 20 years ago a community-supported agriculture project with one farm, linking that farm with 20 families in downtown Montreal. Today we have 100 farms all across the province and even in Ontario and soon probably in New Brunswick. We service 30,000 people, and we've created a direct link between local farms
either organic or in the process of being certified organic. From a social point of view, it's wonderful. From an environmental point of view, it's wonderful. You get to meet your farmer every week. You get to talk to them. What are the challenges? What is happening? You're helping them fund their season by paying in advance for so they don't have to borrow money from the bank. And there's so many local solutions that can be implemented. Beyond eating, North Americans eat way too much meat, and they don't eat particularly good meat from a health point of view. So there's certainly lots of education that needs to be done on that front. But before I must do a bit of a sales pitch, but perhaps probably the last time I speak. So I brought some copies of my last two books, where I do talk about many issues, including transportation, but also agriculture, and one of the things that we could do there in French, fortunately. But pour les francophones, j'en ai quelques copies s'il y a des gens intéressés. Juste. I just wanted to clarify the points. I think Dave might speak about it, that in Saskatchewan, when you talk about agriculture, there's the zero bill, which has contributed lots to the carbon dioxide accumulation in soil. So there are practices when you talk about agriculture, it's one way to blame it, but there are other benefits, which that due to the adoption of new technology, we have accumulated billions of tons of carbon dioxide in the soil because of those agricultural practices. Mm-hmm. So I just wanted to be that there are technologies which we have adopted in Saskatchewan for that. Thank you very much. Just wanted to clarify that. Okay, thank you. One last question over there, and we're going to conclude. I can keep this quick. I'm just looking to get a sense of the urgency going into Paris right now from the international political realm. There's obviously, I have a reserved sense of optimism that they're going to come to some sort of consensus on how we can adapt and mitigate these issues that we're dealing with. But I'm more concerned about the timeline. Mm. We have this 2-degree goal along with the uncertainty of feedback loops. And this is something that I think is really important to touch on. Just their sense of urgency and how they're feeling about it going into it. Yes, scientific literature suggests that it would still be possible to catch up with the 2 degrees Celsius target in 2025. But if we don't act in 2030, it will be too late no matter what we do. You know, it's like a little bit if you cook something on your kitchen, but you stop cooking, it's still cooking. And that is what's happening to our planet. So yes, the sense of urgency is very present in Paris. And that's why the action agenda is there, is even if we don't have a good agreement, even if the agreement enters into force in 2020, then people, the government, can already act from now, from Paris. Paris is not important. What is important is what happens after. Thank you. And maybe one thing very, very important that we didn't we didn't say a word about it, is we should not put everything, in Paris or other meeting. For me, the best investment that we can do is in children and kids and education. This is where I think, it's probably the best investment that we can do, and this is very, very, very important. I was part of some COP before, and I saw the influence of kids on people around the table when it's time at the end of the conference, when everybody wants to go home, but we didn't have, agreed on a sentence or something. And then you have to start to do some compromise. And this is where it's very important to remember that we all have a kid, some children that we know that we love, and we are doing that for them. And this is why we started our little program for Paris called drawtheearth.com, where we invite children of the world to make a simple drawing. And with the Prime Minister of Quebec and some other partners, we will give those drawings to all the UN people during the Paris conference, because I think that we need also to use emotion sometime to touch people who will take the decision for tomorrow. Thank you very much. Unfortunately, malheureusement, on doit conclure maintenant. Alors d'abord, j'aimerais mentionner que certains d'entre vous ont apporté des documents. Alors certains, sur format papier, on va les mettre en ligne
dès que possible avec la vidéo de cette table ronde, une vidéo qui sera bilingue. Et avant de nous quitter, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à rendre possible cette conférence inaugurale du cycle Hors Champ of the Beaten Track, en commençant par nos hôtes de la Cité, Sophie Bouffard, Angeline Dubois, Julie Courcy et toute l'équipe administrative, de l'école Johnson-Shoyama, Cathy McNutt, Gisèle Marcotte, Andrea Gasburger, Karen Jester-Laforge, Janice Hulley, Brenda Buchanan et Erika Schindel. Merci pour leur appui précieux. À l'Université de Regina, Costa Maragos, Zahir Shahid et John Klein. Et pour la sonorisation et la traduction simultanée, Steve Zimmer et Michael Jackson. Un grand merci à nos panélistes qui ont pris le temps et pour la plupart d'entre eux ont fait le déplacement pour nous éclairer sur les enjeux des changements climatiques et de la COP21. Un grand merci. C'était long de Montréal à Regina en vélo, là, c'était long.